Hey les gens, c'est Batou Batou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu de Cyprien, le nouveau jeu qu'il a sorti. Je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. Attente, hein, bien évidemment. On va prendre le compte de Batou Batou. Pas maintenant. Écoutez, on va prendre un autre compte. Pas grave. Ça peut prendre un peu de temps vu que... Non, c'est bon. Normalement, ça ne devrait pas beaucoup me prendre énormément de temps. Je ne l'ai pas encore essayé, donc... Son jeu, normalement, c'est on devient youtubeur, il me semble, selon la dernière vidéo que j'ai vue. Voilà. C'est ça. Je vais vous lire où est passé ce fichu guide. Bon, peu importe, l'aventure ne sied visiblement pas à tout le monde. Mais moi, Vidéolordre, premier viewmaker de la planète et explorateur sur Internet comme dans la vie, je l'ai fait. J'ai trouvé le temple secret de Kukulkan, le serpent vision et dieu des views. Je dois admettre que parfois je m'impressionne. Vite, je dois faire un live. Non, mieux, je vais produire une vidéo pour mes abonnés. Bah, comment ça, hors connexion, il n'y a pas la 3G ici? En même temps, c'est un bâtiment ancien, il y a sûrement du Wi-Fi. Bah voilà, j'ai un réseau. QQ, 1K, trop long à lire. Hein. Ça, je ne pourrai pas lire, ça. Waouh, c'est du très haut débit. Hein? Qui a éteint la lumière? Alfonso, c'est toi? Ah 10 ans plus tard, ok. Terminons cette édition par un bien triste anniversaire. Nous commémorons aujourd'hui la disparition mystérieuse de Vincent Leroy, plus connu sous le nom de Vidéolord. Viewmaker pionnier, s'il en est, qui donnait les lettres de noblesse aux mots FAQ et Meetup. Sa Majesté la Duchesse de Zuckerbourg, reine et gérante d'Internet Corp, inaugurera demain une autoroute à sa mémoire. Toutes les équipes de la NNC seront sur le qui-vive pour couvrir l'événement en direct. Ok. On est chez nous. Vous venez d'emménager à Viewtown, la nouvelle cité état bâtie par les gens d'Internet. L'humanité est paisible et prospère depuis qu'elle vit sous l'égide d'un modérateur mondial. Du moins en apparence. Vous avez un appel. Ok. Salut poteau, ça roule. C'est un appel de Ramzar. Je suis en bas de chez toi, t'es là? Oui, je monte. Cool, j'arrive. Oh, tu as une drôle de tête, je te reconnais à peine. Tu t'es endormi sur un tête de make-up ou quoi? Hop, on va choisir notre viewmaker. Vous pourrez modifier votre apparence plus tard dans le jeu. Écoutez, moi j'ai envie de prendre lui. Je trouve qu'il a une belle tête. Voilà, ta meilleure mine. Je t'ai apporté un cadeau de crémaillère pour décorer ton nouveau studio. Je l'ai trouvé sur eBay, une enchère remportée à la dernière seconde. Le vendeur disait que ça venait du Mexique. Mmh, ouais, c'est ouf, sauf que le paquet a pris un coup dans l'avion, alors je ne peux plus le vendre dans mon bazar. J'ai demandé des détails au vendeur, mais il ne m'a jamais répondu. Bref, ouvre le colis, s'il te plaît, ça commence à être un peu lourd. Ok, on va ouvrir le colis. Une statue moche. Ok. On a gagné une statue moche. Ok, cool. Parfait, maintenant attrape la statue et pose-la dans ton studio.
Ah ben, ça a de la gueule, non? Ouais. Haha, tu me fais marcher? Non, ça va, je me tiens bien chez toi, c'est tout à fait ton style. Cool. Tiens, mais c'est quoi ça? T'as vu ce truc vert chelou qui flotte devant la statue? Je préfère pas toucher, j'ai pas envie de choper une fièvre mexicaine bizarre. Prends-le, clique dessus. Waouh, c'est beau, c'est hypnotisant. Tu crois que c'est dangereux? Si ça se trouve, ça se vend bien sur perduvendu.com, un truc pareil. Je ne crois pas que ça venait ensemble. Tu prends la statue et moi je prends le truc vert, ok? Bon, non, ça va pas, non? Pff, chacal. Ok, alors produis au moins une vidéo dessus, avec ça, on pètera le score de views. Et comme c'est mon idée et ton truc vert, on partage les gains, ok? Ok, ai-je le choix? Ça. C'est toi qui parle et on publie sur ma page. Hein? Vous êtes sur la chaîne de Ramzar. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer la production d'une nouvelle vidéo. Ok. Tu m'as déjà produit la vidéo, on va la publier maintenant. J'aimerais dire que les vraies vidéos, ça se fait pas comme ça. Hein. Ça prend plus de temps. Nous sommes en l'an de grâce 2022, dans 2 ans. Le mystérieux rayon vert vient de frapper de plein fouet le palais d'Internet Corp. Ce phénomène étrange aura tout fait d'être baptisé par les chaînes d'info continues. L'apocalypse 2.0. Ok. Voici le nom du jeu, c'est Make More Views, bien évidemment. Ah, mais Patrick Knope, c'est le personnage dans l'autre jeu de Cyprien, comment ça s'appelle? Là où il y avait les questions bizarres, là. Normalement, il y a des personnes qui doivent le connaître, Patrick Knope. Internet Cop est assiégé. Nos envoyés spéciaux nous rapportent des disparitions étranges de viewmakers. Nous recevons à l'instant un communiqué du palais que nous vous transmettons. Pour votre bien et la sécurité de tous, produisez des vidéos et restez chez vous. Ok. De retour dans votre studio douillet. De retour avec Ramzar. Et Vidéolord. Alfonso, donde esta? Hola. Où suis-je? On va dire chez moi, parce que je parle français. C'est toi qui as ouvert le cloud ou j'étais enfermé? Non, c'est lui. Horreur. Le malware a avalé tous les viewmakers. Je suis resté coincé dans cet enfer, sans rien filmer pendant des années. Pendant mon trip au Mexique, j'ai trouvé cette statue. En me connectant, j'ai ouvert un vortex qui a avalé mon âme. Comme je n'avais pas de réseau, il s'est refermé sur moi. Mais tu l'as rouvert et connecté au monde entier. Oups, c'est des os. On va dire des os. Bon, le cristal d'âme dans lequel tu m'as trouvé, le dieu en fait collection. Il enferme dedans les viewmakers en perdition. Ils sont nourris jusqu'à ce que le réseau soit complètement déserté. Je ne peux pas me déconnecter de cette statue, mais j'ai accès à son programme interne. Le malware qu'elle renferme ronge le réseau et gagne du terrain. C'est une course contre la montre. Il faut résister, rebooter le système pour empêcher sa disparition. Créer une nouvelle chaîne, dépêche-toi. Nouvelle chaîne. Choisissez votre première chaîne. On va faire du gaming. Alors, soit gaming, soit lifestyle, soit science. Donc... je te prends à Front Night quand tu veux. Je suis à la recherche d'un personal shopper, ça t'intéresse? D'après mes analyses, on devrait bien s'entendre, toi et moi. Moi, je vais me prendre gaming. Chapitre 1, reboot. Oh, et oh, il donne Michou, là. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, bonjour, ton ami et toi avaient libéré un malware
qui... La box a explosé, ma chaîne a disparu, toutes les chaînes ont disparu. Bah, ne m'entends pas, je suis un fantôme, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a plus qu'à se mettre en boule et attendre la mort. Ah non, ça, mon gars, j'ai déjà essayé. Attends, si les viewmakers ont disparu, ça veut dire que... On a toute l'audience disponible. Il faut absolument faire une vidéo pour raconter que plus personne ne fait de vidéos. Ça va cartonner, on va se faire un max de views. Il faut que je passe chez moi, créer une nouvelle chaîne, à plus. J'ai pas eu le temps de lire, merde. Pour contrer le malware, on va avoir besoin de views. Énormément de views. Ok, cool. On commence par faire un live pour te présenter. Clique plusieurs fois sur la partie haute de l'écran afin de collecter 100 views. Ensuite, tu produiras ta première vidéo. Ok. Ok. Ok, on a trouvé la vidéo. On va publier du coup. Cool, on va collecter tout ça. Je pense qu'on va finir là-dessus. On va arrêter là-dessus, même si on a. Hop, on a un autre message, mais j'espère qu'il va pas apparaître. S'il apparaît, malheureusement. Bon. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Voilà, c'était le petit jeu de Cyprien. Je vais peut-être refaire une vidéo dessus plus tard. On va suivre ça ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne au maximum, à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte Twitter que vous allez retrouver dans la description. Si vous voulez retrouver le producteur des musiques qui sont en train de passer, franchement, je vais le mettre en description parce que j'adore les musiques. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye!